être assistante de communication. Je suis à la recherche d'un emploi ou de stage sur la localité, donc c'est un peu compliqué. Les entreprises ne font pas forcément de la communication, c'est surtout dans les grandes villes, donc c'est compliqué pour moi de trouver sur mon bassin local. J'aimerais bien que ce soit un épanouissement. J'aimerais bien m'épanouir dans ce que je fais, mais je constate que ça peut être une corvée, surtout la rémunération, qui n'est pas forcément un avantage. Enfin, c'est pas avantageux de travailler pour un tel montant, en fait. J'ai fait mes études au Creusot et j'en suis très satisfaite. Mais c'est vrai qu'en accompagnement, pour la poursuite, on se retrouve livré à nous-mêmes, en fait. Je suis à la garantie jeune, moi, et c'est vrai qu'on m'aide à faire mes démarches pro, etc., à me créer un réseau professionnel, en fait. Donc j'attends beaucoup, en fait, de la garantie jeune actuellement. Un peu des deux. C'est un challenge pour moi, mais ça peut être une corvée, parce que c'est vrai que les entreprises ne répondent pas forcément. Une cohésion d'entente entre les salariés, la hiérarchie, un management participatif où tout le monde collabore pour le même objectif commun. Je suis intéressée par toute offre d'emploi qui correspond à mon domaine, bien sûr. Puis sinon, je souhaite bon courage aux jeunes, parce que je suis jeune et je constate les difficultés pour trouver un emploi.